Comment l'inspiration vient, tu regardes un petit peu sur Eh bien, les réseaux. avant, quand on m'a donné le thème, on a fait une fiche art, où on a fait un test, make-up, donc j'ai ah fait ouais, plusieurs ça rigole créations. Pas, c'est Ah non, ils sérieux. rigolent pas, le groupe, ils rigolent pas non plus. C'est très organisé. Ouais. On a fait un test, ils m'ont dit qu'ils veulent telle chose, ils veulent ça, ils veulent ça, ils veulent ça. Donc du coup, j'étais obligé de bien suivre. Au final, tout le monde était satisfait. Mais combien de temps ça prend à peu près pour maquiller tout? Parce qu'ils sont nombreux, vous Elles prenez sont depuis le 66, matin. On a commencé à 11h30, wow. Et quand il est 16h, tout est fini. Ah, je vérifie. Tu as fini 16h, là? 16h, il est fini. Mais il est 16h. Tout le monde. Tu as fini à 16h à l'heure, c'est voilà, bien. On va te garder alors. J'en parle avec la direction. Alors Stéphane, comment tu fais pour choisir ton équipe, pour constituer toutes les personnes qui t'entourent? Ah ben, chaque année, bon ben, c'est vrai qu'on a un chassé-croisé. Il y a certaines qui partent, il y a d'autres qui reviennent. Alors ce qui fait que, surtout, qu'il faut le bon choix, c'est avoir des gens compétents dans leur domaine. Cette année, on a quand même étoffé l'effectif, c'est qu'on a à peu près 200 membres dans l'association. Ouais. Il faut savoir que 90 musiciens et 65 danseuses, plus les membres actifs, les responsables de costumes, les... voilà, il y a du monde. Effectivement, parce que surtout que Casalata, c'est une grosse machine que j'essaye de gérer pratiquement comme une collectivité. Et grâce à ce genre de personnes-là, on forme une équipe, un staff, pour qu'en plus, parce qu'on va tous les dimanches hein, produire ce qu'on produit, des spectacles gratuits, sur tout ça. Gratuit, et puis tu parlais d'une grosse machine. Alors on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent, que l'argent manque. Le sponsoring n'est pas trop là. Comment est-ce que tu fais pour, malgré tout, revenir chaque année, motivé Cette année, je vais essayer de démontrer que Casalata va sortir tous les dimanches, va essayer de faire un carnaval tous les dimanches sans sponsor. Et c'est grâce aussi aux membres. C'est ça. Et on va dire aux cotisations. Chacun cotise, chacun met un petit peu la main à la pâte, un peu d'argent, ramène du tissu par là, des perruques par là. Non, même pas. Même pas ? Même pas, c'est que la cotisation pour une danseuse, elle est élevée à 200 euros et pour un musicien, 150. Wow. Alors ce qui fait que ben, c'est grâce à ça que l'association okay. vit.